Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, fidélité à la hiérarchie et conformité aux directives du pouvoir central. Le général Raus a assisté à la délivrance des cartes infalsifiables aux éléments de la police. Cette opération permettra ainsi d'une part d'identifier correctement les éléments de l'ordre engagés régulièrement et d'autre part de mettre la main sur les infiltrés. Le divisionnaire Raus Tshalwe a personnellement assisté au lancement de l'opération des remises des cartes de service aux policiers. Dans son adresse pour la circonstance, le commissaire divisionnaire Raus Tshalwe a mis en garde les responsables des ressources humaines de la police nationale du Bas-Congo qui doivent faire attention pour ne pas injecter dans l'effectif normal les irréguliers qui ne sont pas connus comme effectifs. Je mets en garde Monsieur des ressources humaines, devant Madame la ministre ici présente, la représentante du ministre de l'Intérieur provincial, si vous essayez de recruter des gens qui ne sont pas sur les listes, qui sont déjà transmises à Kinshasa, vous aurez un problème. Enfin, Son Excellence Madame la ministre des Budgets, qui a représenté le ministre provincial de l'Intérieur, a remis la carte des services au numéro 1 de la police nationale du Bas-Congo, qui a confirmé son réelle appartenance à la police nationale par l'obtention de cette identité nationale.